信心百倍的打好这一场主题战、总体战，打好这一场人民战争。Une flambée épidémique a engendré la guerre d'endiguement du virus. La lutte anti-épidémique réunit tout le monde autour d'un objectif commun. Toute la population et toutes les forces du pays sont engagées dans la bataille. La valeur de l'unité se manifeste lors des épreuves ardues. Les forces du pays s'unissent en réponse à un appel urgent. L'hôpital Regine de Shanghai est chargé d'envoyer d'urgence de l'aide à Wuhan. Le personnel s'est mobilisé dans les préparatifs du matériel médical pour leurs collègues envoyés en mission, dont Chen Dechang, directeur du service de réanimation, et l'infirmière Shen Hong. Ils ont quitté la table familiale du réveillon du Nouvel An et se sont précipités à l'hôpital. La femme du docteur Chen est aussi médecin. Avant le départ de son mari, elle lui a demandé de porter pour le Nouvel An, en espérant qu'il rentrera à la maison sain et sauf. Six heures à peine après avoir quitté son poste, l'infirmière Shen Hong est revenue de chez elle à 80 km de l'hôpital. À 20 heures, Shen Hong est arrivée à l'hôpital. Avec 10 ans d'expérience au service de réanimation, elle maîtrise les soins des voies respiratoires. Elle sait pertinemment qu'elle pourra être utile en première ligne. Les collègues lui ont préparé des raviolis en guise de repas du réveillon. Shen Hong n'a pris que quelques bouchées avant de partir à l'aéroport. Sous la pluie et le vent du réveillon, la compagnie Eastern Airlines a reçu l'ordre de faire partir un vol affrété. En une heure, le personnel a achevé tous les préparatifs. La même soirée, sont arrivés à Wuhan 718 soignants et médecins venant de Shanghai, du Guangdong et des équipes médicales de l'armée. À Wuhan, avec le nombre de patients atteints du coronavirus qui a grimpé en flèche, les hôpitaux ont vite été saturés. Le personnel médical local a fait le maximum sans pouvoir prendre en charge un grand nombre de patients. Des milliers de patients attendaient devant l'entrée des hôpitaux ou demandaient de l'aide sur Internet. Devant cette impuissance, tout le pays est tombé dans l'angoisse. Le 25 janvier, jour du Nouvel An chinois, lors de la réunion du comité permanent du bureau politique, le président Xi Jinping a exigé de déployer tous les efforts possibles pour traiter les patients affectés
compléter les effectifs médicaux, mobiliser les ressources locales et militaires pour répondre aux besoins d'urgence de Wuhan. Le même jour, 5 autres équipes médicales composées de 746 personnes du Hunan, du Jiangsu, du Shandong, du Sichuan et du Zhejiang ont débarqué à Wuhan. Lorsque l'équipe du Sichuan est arrivée à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan, la file d'attente des patients s'étendait jusqu'à l'extérieur de l'hôpital, alors que 57 employés de l'établissement avaient déjà été infectés par le virus. Suite à une discussion entre l'équipe du Sichuan et l'équipe locale, ils ont décidé de fermer provisoirement l'hôpital. L'urgence était de trier les patients et de sortir les déchets médicaux. Ils ont réaménagé 4 zones de soins en créant 5 voies d'accès destinées respectivement aux patients, au personnel médical, au personnel administratif, aux agents de propreté et aux déchets médicaux. Pendant les 7 jours de suspension du service, cet hôpital de niveau 2 a été transformé en un hôpital spécialisé en infectiologie avec une capacité d'accueil nettement augmentée. L'urgence du début février était de soigner les patients infectés par le coronavirus. Le 3 février, le président Xi Jinping a présidé la réunion du comité permanent du bureau politique et a demandé de continuer d'envoyer du personnel médical depuis toute la Chine en renfort à Wuhan. En un mois seulement, 346 équipes médicales de toutes les provinces et de l'armée ont été déployées sur le front. Les provinces du Jiangsu, Guangdong, Liaoning, Zhejiang et Shandong ont envoyé le plus grand nombre de personnels médicaux. Les provinces telles que Hainan, Henan, Shanxi, Ningxia, Jilin et Gansu ont envoyé plus de 20% de leurs effectifs spécialisés dans les soins intensifs. Tianjin, Hebei, Anhui, Jiangxi, Shanxi, Yunnan, Qinghai et d'autres provinces et villes ont également constitué des équipes multidisciplinaires. L'armée a envoyé à Wuhan plus de 4000 personnes en 3 expéditions, dont beaucoup avaient déjà participé à la lutte contre le SRAS et aux missions d'aide anti-Ebola en Afrique. Les délégués des meilleurs hôpitaux universitaires, tels que le PUMC, Peking Union Medical College, Xiangya, Qilu et Huaxi, se sont réunis à Wuhan et Hubei pour relever le défi. Cette scène de rencontre est à la fois réconfortante et rassurante. Dans les renforcements qui ont suivi, de nombreux hôpitaux ont quasiment déplacé à Wuhan l'ensemble de leur personnel de réanimation et leurs propres équipements médicaux. Chaque équipe était susceptible de remplacer une unité de soins dans un hôpital. Début février, hormis Wuhan,
l'épidémie du coronavirus s'est propagée à travers le Hubei. Le nombre de cas confirmés s'est multiplié. Sous le déploiement central, 19 provinces ont envoyé des équipes de soutien en mission dans 16 villes du Hubei. Les missionnaires et les locaux travailleraient en tandem. Huanggang est une ville adjacente à Wuhan. Les deux villes font presque partie de la même agglomération. Par conséquent, Huanggang est devenu le deuxième épicentre de l'épidémie, juste derrière Wuhan. Les provinces du Shandong et du Hunan avaient pour mission d'aider cette ville souffrante. Aussitôt arrivée à Huanggang, l'équipe médicale du Shandong s'est précipitée au centre des soins de la zone d'Abyeshan de l'hôpital de secours centralisé. La ville de Xiaogan était elle aussi très touchée par l'épidémie. Ceux qui avaient été désignés pour l'aider sont deux équipes médicales de Chongqing et du Heilongjiang. Les équipes envoyées montent au front, tandis que les hôpitaux de premier ordre assurent les consultations en ligne pour que chaque patient reçoive de meilleurs soins ciblés. La stratégie de partenariat d'assistance s'est avérée très efficace dans la pratique, surtout durant un moment de crise comme celui-ci. Guningcheng en Mongolie intérieure, Yudu au Jiangxi, Tiandongnan au Weizhou, Nanping au Fujian, Fengxian au Guangxi, Kashgar au Xinjiang. De nombreuses collectivités locales ont aussi mobilisé la crème de la crème de leurs forces médicales pour soutenir le Hubei. ...42 632 personnels de santé sont partis à contre-courant sur la vague de l'épidémie. C'est la plus grande mobilisation de forces médicales depuis la fondation du pays. Les médecins sont dévoués et héroïques. Durant ce moment historique, alors que le peuple a désespérément besoin d'eux, ils sont présents. Ensemble, avec le personnel médical local, ils ont surmonté une pression sans précédent. Ils ont fait preuve de véritables forces mentales et professionnelles. La lueur de la vie est ce qu'on cherche dans ces moments âpres. Le courant du fleuve Yangtze nourrit ainsi l'espoir du peuple. Huang Shiqiu, 79 ans, est l'architecte qui a conçu l'hôpital Xiaotangshan pour les patients atteints du SRAS en 2003. Le 23 janvier 2020, en apprenant que Wuhan était confiné à cause de l'épidémie, M. Huang a sorti les dessins de conception du dit hôpital provisoire. Ensuite, sur la base de ses réflexions menées depuis une dizaine d'années, il y a noté tous les aspects optimisables pour un nouveau chantier. À 13h le 23 janvier, M. Huang a reçu une demande d'aide express pour concevoir un hôpital d'urgence.
Aussitôt, l'équipe d'architectes qui a conçu l'hôpital du même type à Beijing il y a 17 ans s'est réunie une nouvelle fois. Grâce aux prévisions de M. Huang, qui avait déjà commencé à mettre à jour le plan, en l'espace de 78 minutes, après la réception de la demande, les plans avaient été révisés et transmis à Wuhan. L'hôpital Hoshanshan sera construit au bord du lac Zhein, dans le district Caijian à Wuhan. Le site était autrefois entouré de mares et de monticules. Ici, un nouvel hôpital de 1000 lits consacré aux maladies infectieuses verra le jour, alors que le délai de construction accordé n'est que de 10 jours. S'appuyant sur les schémas de M. Huang, 60 architectes de l'Institut Citique de Wuhan, ainsi que des centaines d'architectes de tout le pays, ont participé à la réalisation du plan de conception. En seulement 5 heures, le plan du nivellement du site a été finalisé. C'était 2 jours avant le Nouvel An chinois. Les ouvriers étaient tous rentrés dans leur région natale. Les professionnels de santé ne sont pas les seuls à se rendre à Wuhan. Selon les mégadonnées, pendant la semaine qui a suivi le blocage des départs de Wuhan, 123 800 personnes sont entrées dans la ville. Sous la direction du CCTEB, les sociétés telles que Wuhan Construction, Wuhan Municipal Construction et Hanyang Municipal Construction ont réuni sur le chantier plus de 40 000 travailleurs ainsi que des milliers de pièces d'équipement. Les travaux ont débuté sur les chapeaux de roue. La construction des deux hôpitaux a attiré l'attention à travers le pays. En 36 heures, les deux nouveaux établissements ont été couverts par le réseau 5G grâce aux efforts conjoints de l'équipementier Huawei et des opérateurs de télécommunications tels que China Mobile, China Telecom et China Unicom. Face à la rupture de ventilateurs, Qilu Pharmaceutical a donné 12 unités précommandées. Le fournisseur de câblage Hubei Aerospace Cable a coordonné l'envoi urgent de câbles Unifuge en seulement 3 heures. La société minière China Minmetals a assumé le traitement des structures en acier dans les 24 heures, tandis que la China Railway Construction a démantelé leurs abris mobiles en cours d'utilisation avant de les expédier sur le chantier. Le 30 janvier, soit 3 jours avant la date de livraison de l'hôpital Hoshanshan, 600 mètres de tuyaux d'oxygène restaient à être soudés. L'opération fut l'une des tâches les plus difficiles du chantier, parce que la technique de soudage traditionnelle risquait de provoquer des fuites d'oxygène. Quinze ouvriers ont travaillé sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits pour réaliser les soudures et assurer la bonne livraison de l'hôpital Hoshanshan. Pendant 10 jours, d'innombrables processus ont été coordonnés en harmonie. Le moindre défaut pouvait entraîner une reprise des travaux. L'important était d'installer l'hôpital pour sauver des vies. Aucune erreur ne serait tolérée. Dans ce chantier complexe, qui progressait à une vitesse fulgurante, chaque travailleur s'est donné corps et âme.
Au début de l'épidémie, il y a eu une grave pénurie de matériel de protection médicale. Les principaux approvisionnements à Wuhan ne pouvaient pas subvenir aux besoins de l'ensemble du personnel médical. Pour économiser des blouses de protection, les médecins et infirmiers mangeaient peu et buvaient peu pour ne pas aller trop souvent aux toilettes. Ils travaillaient une dizaine d'heures d'affilée et faisaient une pause sur place lorsqu'ils étaient fatigués. Il est intolérable de laisser les soignants et médecins être contaminés en raison de manque de moyens de protection. De fin janvier à février, le président Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer l'approvisionnement en matériel médical. Pour lui, l'important était de centraliser la répartition du matériel rare en donnant la priorité aux principaux foyers du coronavirus. L'équipe d'orientation centrale a mis en œuvre les instructions du président Xi. Le mécanisme interministériel du Conseil des affaires d'État pour la prévention et le contrôle de l'épidémie a vite coordonné tous les ministères et localités pour transférer des matériaux vers les zones rouges et reprendre la production du matériel en manque. Du 1er au 7 février, l'équipe d'orientation centrale a exigé l'envoi quotidien à Wuhan de 20 000 masques médicaux N95. Sachant qu'à cette époque-là, la Chine ne produisait que 100 000 masques N95 par jour. 17 divisions de la Commission nationale du développement et de la réforme, ou NDRC, ont créé la cellule de masques afin d'accélérer la production des masques. Un jour de début février, afin de mobiliser 1000 masques N95, les chargés de mission de la cellule de masques ont commencé leur coordination par téléphone de l'après-midi jusqu'à 2h du matin et ont ainsi pu résoudre le problème. La cellule de masques ne se limitait pas à répartir les masques. Elle était aussi chargée de mobiliser les fabricants, de recruter des travailleurs pour augmenter la production et de résoudre les problèmes concernant les matières premières, les machines, le financement et le transport. Le 25 janvier, la production quotidienne de masques en Chine n'était que de 8 millions d'unités, ce qui était loin d'être suffisant. Grâce aux efforts nationaux, la capacité de production a augmenté progressivement. Le 3 février, 22 provinces clés ont atteint une production journalière de 14,806 millions de masques. Le 29 février, la production nationale de masques a atteint 116 millions, soit 15 fois plus par rapport à janvier. Un mois plus tard, la Chine produisait 300 millions de masques par jour. Derrière ce miracle repose le système industriel le plus complet au monde et le mérite revient à l'avantage chinois de pouvoir concentrer toutes les ressources pour les grands projets. Sur le front de la bataille à Wuhan, 12 500 ensembles de protection devaient être fournis tous les jours. Au plus fort de la pénurie, toutes les réserves nationales ne suffisaient pas aux besoins de Wuhan pour une seule journée. Wuhan fait face à d'énormes difficultés. Le reste de la Chine s'efforce de trouver des solutions. L'usine 3502 appartient au Xinxing Cathay International Group. Le site qui fabrique des fournitures militaires depuis 90 ans peut convertir sa ligne de production. Fabriquer un ensemble de blouses de protection nécessite une quarantaine de processus. Avec les matières premières obtenues par le ministère MIIT, les divisions industrielles ont organisé des formations de contrôle de qualité afin d'encadrer les fabricants convertis. Pas de temps à perdre.
la conversion devait être terminée le plus tôt possible. Début mars, la production quotidienne de blouses de protection par l'usine 3502 a atteint 140 000 unités, soit 40% de la capacité nationale. L'ambulance à pression négative est également un matériel important dans la lutte contre l'épidémie. Le 5 février, avec l'ouverture de l'hôpital Leishanshan, un grand nombre de patients furent transportés. Sous les directives de l'équipe d'orientation centrale, 200 ambulances à pression négative devaient être livrées à Wuhan dans les 10 jours, sachant qu'en 2019, la Chine n'avait produit que 50 ambulances de ce type en une année. La mission était quasiment impossible. Ces achats en amont font partie des mesures spéciales en période épidémique. Le ministère MIIT a missionné un certain nombre de grands constructeurs automobiles pour réussir cette mission. Pour ces derniers, le plus difficile restait de fabriquer la chambre d'isolement à pression négative. Ils ont donc sous-traité aux usines où la chambre d'isolation est fabriquée. Certains ont démonté des châssis de véhicules déjà assemblés pour compléter le manque. Certains ont payé à prix élevé des fournisseurs pour les pièces détachées. Les constructeurs automobiles ont épuisé leurs moyens pour remplir leur mission. Les ambulances à pression négative ont été finalement produites et de fortes chutes de neige dans le nord du pays risquaient de perturber le transport. Au total, près de 700 ambulances à pression négative ont été livrées dans le Hubei, de sorte que tous les patients ont pu être transférés dans les hôpitaux en toute sécurité. Le coût du traitement des patients atteints de coronavirus est entièrement pris en charge par l'État. Au 31 mai, le nombre de patients hospitalisés était de 58 000, soit un coût médical total de 1,35 milliard de yuans. Le coût en moyenne par patient était d'environ 23 000 yuans. Parmi eux, les patients en état grave ont reçu des soins représentant plus de 150 000 yuans par personne. Parmi un petit nombre de patients en état critique, le traitement par personne pouvait atteindre des centaines de milliers de yuans. L'État donne de l'assurance et les gens ordinaires répondent avec gratitude. Chaque hôpital de fortune fournit 3 repas par jour aux patients. Pourtant, dans l'un des hôpitaux, une dame âgée s'entêtait à ne manger que des restes. Les soignants n'arrivaient pas à la convaincre. Au 31 mai, un total de 162,4 milliards de yuans avait été alloué à la lutte anti-épidémique à tous les niveaux administratifs. L'objectif consistant à ne pas retarder le traitement médical pour des raisons financières a été atteint.
Ces gros poissons, qui pèsent une dizaine de kilos, sont pleins de vigueur. Au lac Taiping, dans la ville de Huangshan, 27 éleveurs de poissons d'eau douce ont pêché un grand nombre de poissons depuis tôt le matin. Ce jour-ci, ils ont conditionné 15 000 kilos de poissons frais pour les envoyer à Wuhan. Cette livraison de poissons à longue distance est la réponse à une nouvelle, sortie 4 jours auparavant. Le 10 mars, lors de la visite du président Xi Jinping à Wuhan pour inspecter le travail anti-épidémique, il a estimé que les citoyens de Wuhan aimaient manger des poissons vivants et que ce serait bien de leur fournir davantage de poissons si les conditions le permettaient. Selon M. Xu, le fait que le chef d'État se souciait jusqu'au moindre détail, comme l'approvisionnement des poissons et que les habitants de Wuhan étaient confinés afin de ne pas contaminer les autres régions, l'a décidé de faire un don de poissons. Tout le Hubei s'est mobilisé pour envoyer du poisson à Wuhan. Des camions chargés de poissons vivants, en provenance de Xianning, de Jingzhou et de Dongshihu à Wuhan, sont arrivés directement à l'entrée des quartiers. Le personnel et les bénévoles des quartiers les livraient ensuite chez les résidents. Cette grande ville de plus de 9 millions de résidents est restée confinée pendant 76 jours. Comment assurer le bon fonctionnement de la ville? Comment préserver les moyens de subsistance des gens? Ce sont les questions dont le président Xi s'est préoccupé. Il a répondu par des mesures pour lutter contre l'épidémie. Wuhan consomme tous les jours 5400 tonnes de céréales, 4000 tonnes de légumes et 1200 tonnes de viande. Comment peut-on garantir une telle quantité de produits? Le 23 janvier, lorsque Wuhan fut mise sous quarantaine, les autorités du marché ont lancé un mécanisme de surveillance des prix des produits courants. Deux jours plus tard, les résultats ont indiqué une flambée du prix des légumes frais et un niveau de stock insuffisant pour trois jours. En apprenant cela, la commission de la NDRC a aussitôt coordonné une expédition d'urgence de 350 tonnes de légumes en provenance de Shouguang, dans le Shandong. Grâce à l'approvisionnement conjoint de 9 provinces, un total d'environ 71 200 tonnes de produits essentiels ont été livrés dans le Hubei. L'eau, l'électricité et le gaz sont aussi indispensables que la nourriture. Après le début de l'épidémie, la commission des ressources aquatiques du Yangtze a ajusté le réservoir des trois gorges pour renforcer l'approvisionnement en eau dans les zones épidémiques. En janvier, le débit moyen du tronçon de Yichang a augmenté de 70% par rapport aux années précédentes. Les tronçons moyens et inférieurs du fleuve sont ainsi parfaitement approvisionnés en eau. Le fournisseur d'électricité Hanchuan dispose de 6 groupes électrogènes, dont 2 pour la ville de Xiaogan et 4 pour alimenter Wuhan. Pendant la lutte anti-épidémique, le gestionnaire national du réseau d'électricité SGCC a élaboré un plan détaillé pour prévenir le stockage de charbon et la demande croissante en électricité. Pendant la lutte anti-épidémique, Wuhan n'a pas coupé l'électricité ou le gaz des résidences en retard de paiement. L'offre en eau, électricité, communication, pétrole et gaz est restée normale. Nous pouvons imaginer la mobilisation humaine colossale derrière tout cela. Les gens confinés achètent plus sur Internet et la livraison à domicile tourne à plein régime. Zhen Hong est directrice de la station Zhenhe de Wuhan, de la société Jingdong Logistics.
Malgré sa petite taille, elle travaille dur avec ses collègues pour assurer la livraison des colis chez les habitants. Le dernier kilomètre de la chaîne logistique est crucial dans les zones urbaines. Dès le 2 février, l'armée basée dans le Hubei a mis en place une équipe de soutien. 130 véhicules de transport militaire circulent sur les 8000 km² des 13 districts de Wuhan pour assurer la logistique de courte distance. Du 27 janvier au 8 mai, un total de 1 532 300 tonnes de matériel de prévention et de produits courants, ainsi que 2 841 500 tonnes de charbon, de carburant et d'autres matériaux de production ont été transportés vers le Hubei par le rail, la route, le transport maritime, l'aviation civile, le service postal express. Les chemins de fer sont un réseau interconnecté, ressemblant à un échiquier. Les trains à grande vitesse y jouent un rôle prioritaire. Les passages verts sont ouverts afin de transporter les professionnels de la santé et les fournitures dans le Hubei dans les plus brefs délais. À la suite du déploiement de la cellule de crise du Conseil des affaires d'État, l'aviation civile a effectué un total de 394 vols affrétés pour transporter le personnel médical à Wuhan et les ramener chez eux après leur mission. À Hekou, dans le Hunan, 93 familles ont transporté à moto 22 tonnes de bananes vers le Hubei. À Shannan, au Tibet, 2000 tonnes d'eau minérale et 70 tonnes de porc et de yak sont prêtes à partir dans le Hubei. Le Hubei soutient la ville tibétaine depuis 26 ans. Quand le Hubei est dans le besoin, les habitants de Shannan sont déterminés à parcourir des milliers de kilomètres pour apporter leur soutien. Chou-fleur du plateau enneigé du Qinghai, fruits secs du Xinjiang, pommes de terre du Ningxia, du Gansu et de Mongolie intérieure, choux du Liaoning et du Hebei, bok choy du Sichuan et du Jiangsu, œufs du Zhejiang et du Guizhou, oranges de Chongqing, du Jiangxi et du Hunan, pommes du Shanxi, riz de qualité du Heilongjiang et du Jilin, farine du Shanxi et du Hunan, aubergines du Guangxi, fruits de mer congelés du Fujian, fruits frais de Hainan. Les gens de toutes ethnies ont envoyé leurs meilleurs produits au Hubei. Pendant les 76 jours de confinement, les bons gestes n'ont jamais cessé. Derrière Wuhan et le Hubei, toute la Chine se tenait fermement. Avant la naissance de ce petit bébé, les deux parents furent testés positifs au coronavirus. Dès sa naissance, il a été séparé de ses parents. La chaîne d'info CCTV a créé le créneau de Nounou en cloud. Le 16 février, le bébé a reçu le nom de Shelio. Le 17, le père et le bébé de 14 jours sont apparus pour la première fois côte à côte à la télé. Des milliers de parents en cloud leur ont envoyé des vœux virtuels. Par rapport à la lutte contre le SRAS il y a 17 ans, les idées de superviseur en cloud ou nounou en cloud indiquent que nous sommes entrés dans l'ère d'Internet mobile et des médias sociaux. De nos jours, tout le monde peut participer au relais de l'information. Lors d'une réunion du comité permanent du bureau politique tenue le 25 janvier, le président Xi Jinping a clairement indiqué que l'épidémie devait être couverte de manière précise, ouverte et transparente, afin de répondre aux préoccupations nationales et internationales.
Le 23 février, une grande réunion de déploiement du travail a eu lieu avec 170 000 participants couvrant tout niveau administratif. Le président Xi a prononcé un discours sur la coordination de la lutte anti-épidémique et sur le développement économique et social. Le texte intégral du discours de 10 000 mots a été mis à la disposition du grand public. Pendant la lutte contre l'épidémie, les conférences de presse sont devenues la norme du niveau local au niveau national. Les informations étaient données de manière précise, publique et transparente. Les porte-paroles ont pleinement échangé avec les participants en réponse aux préoccupations du public. Jusqu'au 30 avril, le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État avait tenu 45 réunions et séances d'information. La cellule de crise du coronavirus a tenu 95 séances d'information régulières. Des milliers de conférences de presse ont été organisées dans tout le pays. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État a même tenu sa propre conférence de presse à Wuhan. Depuis l'épidémie, plus de 400 journalistes se sont portés volontaires pour se rendre à Wuhan. Ils ont travaillé avec les médias locaux, ont réalisé des milliers d'interviews dans les zones contaminées, ont produit un grand nombre d'articles et ont recueilli les revendications des citoyens. Avec le même courage intrépide, les autres journalistes qui travaillent à travers le pays ont également assuré la couverture de l'épidémie. Les médias chinois ont transmis avec précision les informations anti-épidémiques de la Chine et ont rapporté les témoignages vivants de cette épreuve. Ainsi, de riches observations et réflexions sont inscrites dans l'histoire. Le 26 janvier, Yuan Chuanwei a reçu un appel inattendu d'un partenaire de Wuxi. L'hôpital Hoshenshan avait un besoin urgent de désinfecteurs de peroxyde d'hydrogène et le partenaire voulait qu'il reprenne le travail le plus vite possible. Le but était de fabriquer 1000 jeux de pièces d'équipement avant le 12 février et de les envoyer ensuite à Wuxi. Il a promis de fabriquer 200 jeux en 16 jours. Une telle quantité de travail nécessite en général au moins 5 employés. Monsieur Yuan a pourtant assumé tout seul la chaîne entière de production. De nombreuses PME ont rendu service ou fait des dons. Certaines ont participé à la production de fournitures ou aux chantiers d'urgence. Les PME ont assumé pleinement leur rôle de proximité pendant la lutte contre le coronavirus. Les entreprises étatiques dans les domaines de l'énergie, de l'aviation, des aliments et de la communication constituent les piliers principaux de la nation. Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, etc. font tout leur possible pour assurer des vols en continu, tandis que CNPC, Sinopec, COFCO et Sinopharm garantissent l'approvisionnement matériel. Les entreprises d'État, en particulier les entreprises centrales, ont grandement contribué aux constructions des hôpitaux Hoshenshan et Leshenshan. Elles ont été actives dans la bataille contre la pénurie de ressources médicales, dans l'approvisionnement continu des produits vitaux, et dans la promotion d'une reprise ordonnée du travail. Les grandes entreprises privées furent aussi au premier rang de cette bataille. Par exemple, plus de 200 employés de Huawei ont construit le réseau 5G sur le site des hôpitaux Hoshenshan et Leshenshan. Tencent
a donné 1,5 milliard de yuans pour créer un fonds anti-épidémique. Alibaba a aussi fait une promesse de don d'un milliard de yuans destinée à l'achat de matériel médical. Des compatriotes de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi que des étudiants chinois à l'étranger, ont fait des dons en argent et en matériel pour soutenir le Hubei. Au 23 avril, les organisations caritatives et la Croix-Rouge avaient reçu environ 41,994 milliards de yuans de dons provenant de tout milieu. Les ruisseaux ont convergé pour former un grand fleuve. Faisons bloc et nous gagnerons la bataille. Une goutte d'eau ne disparaît jamais dans la mer. Des milliards d'épaules s'alignant, nous formons une grande muraille imprenable. L'histoire et le temps justifieront nos choix. La force de l'unité du peuple et les avantages systémiques du pays se manifestent pleinement dans cette lutte contre l'épidémie. Avec nos forces unies, nous vaincrons tout. Yeah.
Encore.